OK, avec le nouveau robot, c'est sûr que ça a changé, c'est sûr que ça a l'air très bien, les crayons, mais le manuel, c'est très bon. Ce qu'on aime le plus sur le robot, c'est le bras. Le bras, c'est comme un bras humain. C'est sûr qu'il n'est pas agile comme un bras humain, c'est proche d'un bras humain. Si on le voit travailler, il travaille beaucoup, il a une belle caméra. La caméra, ça fait un super travail. Elle positionne le crayon, même quand la vache bouge, elle cherche le crayon, puis elle va le trouver, elle va le placer. C'est surprenant à dire, parce que souvent, c'est pas une vache, un animal, c'est toujours en mouvement. Hein. Ils arrivent dans le robot, ils ont la moulée, ils sont contents, puis là, ça bouge, puis bouge un peu. Là, le robot, il cherche, puis hop, il pop, point de crayon. Et là, il lâche, il les suit, puis ça fait une belle job. Très beau travail. Le logiciel d'Elpro, il sert vraiment à faire toute la régie du troupeau. Donc, on l'utilise à 100% pour la régie. Et moi, je trouve que c'est un très, très bon logiciel. On trouve absolument tout ce qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de rapports. C'est quasiment illimité, les possibilités avec ce logiciel. Et c'est quand même assez simple. Donc, c'est très positif pour ça. Donc oui, je recommande le V300 à d'autres producteurs laitiers. C'est vraiment un excellent robot. Et moi, je suis très satisfait de la façon de collecter les vaches, de son nettoyage, puis de tout en général. Commentaire général sur le robot, le VMS 300, c'est un excellent robot. Avec le bras et sa travail, c'est merveilleux. Il fait un beau travail, puis il est mobile, puis il est flexible.